Good morgen, allez, Yiden, l'étude sera aujourd'hui les Lonishmat, Richard Ron, Ben Fortune Mazal, Claude Israq, Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude du Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Maseratanit, Perek Aleph, Mishnah Bet. En Sholin et Agshamim, El Asamouch, la Gshamim. Rabbi Yehuda Omer, A Over Lifnateva, Beyom Tov, Acharon, Shel Chag, Acharon, Mazkir, Arishon, Eno Mazkir, Beyom Tov, Arishon, Shel Pesach, Arishon, Mazkir, Acharon, Eno Mazkir. Ademataï, Sholin et Agshamim. Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheyavor HaPesach, Rabbi Meir Omer, Ad Sheyetze Nissan, Shenemar Vayored Elachem Geshem, Moreh Umalkosh, Barishon. Première Mishnah de la Maseret, on a appris depuis quand commence-t-on à évoquer, à glorifier Hachem sur le fait qu'il fasse tomber la pluie. Pas quand on, mais pas quand on commence à réclamer la pluie. On a déjà expliqué, il y a dans la bracha de Atagibor, dans la Mida, on mentionne le fait qu'Hachem, on loue, on glorifie Hachem sur toute sa puissance qui fait, toutes les choses qui dirige sur Terre, en l'occurrence qu'il faut aussi tomber la pluie. Sur ça, il y a une date précise à partir de quand on commence. Dans notre mission, on va s'intéresser cette fois-ci à demander la pluie. Depuis quand va-t-on réclamer, demander, prier pour qu'Hachem fasse tomber la pluie? Alors la Mishnah m'enseigne, En Shoalin et Ageshamim, Ela Samuch la Geshamim. On ne commence à demander la pluie que si on est arrivé à l'époque où la pluie est censée tomber. Waouh! Phrase un petit peu délicate. Que le Bartonnerie propose deux interprétations. En fait, en deux mots, en fait, c'est la suite. Cette première phrase, c'est la suite de Rabbi Yehoshua. Si vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, on avait vu quelque chose d'intéressant. Il y avait la vie, quelque chose d'intéressant. Il y avait la vie de Rabbi Eliezer qui nous disait il y a deux choses différentes, distinctes. Le fait de glorifier Hachem sur le fait qu'il fasse tomber la pluie, premièrement. Deuxièmement, le fait qu'Hachem fasse concrètement tomber la pluie. Et c'est deux bornes différentes. Un, c'est pour le premier jour de Sukkot, l'autre, ce sera pour le dernier jour de Sukkot. Parce que réellement, on ne veut pas que la pluie elle tombe pendant Sukkot, donc tu attends la fin de Sukkot pour commencer à demander la pluie. Depuis Shmini Aseret, si tu veux, tu peux demander la pluie, parce que là, c'est le moment qu'elle pluie, qu'elle tombe. Ça, c'était l'avis de Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Yehoshua, il nous dit non, ça va ensemble. Si ce n'est pas le moment de réclamer, de demander, de prier pour, alors ce n'est pas le moment non plus de glorifier Hachem. Et sur ça, la Mishnah s'ouvre, c'est la suite de Rabbi Yehoshua qui justifie, qui nous dit, Tu ne demandes la pluie que lorsque la pluie arrive, donc tu n'évoqueras la grandeur de la pluie que lorsque le moment de la réclamer aussi arrivera, donc à la fin de Sukkot. D'accord, ça c'est la première interprétation, on n'a qu'à rester sur ça pour le moment, et on avance dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a un autre avis sur la question. A Over Lifnateva, Beyom Tov Acharon Shel Chag, non, il est encore sur le même sujet justement, c'est la fin que ça va devenir différent. A Over Lifnateva, Beyom Tov Acharon Shel Chag, celui qui va, et je traduis d'abord, celui qui va passer à la Teva, c'est-à-dire celui qui va officier l'office de Sukkot, Biyom Tov Acharon Shel Chag, depuis le dernier jour de Sukkot, alors Acharon Mazkir, le dernier évoque la pluie, tandis que Arishon et non Mazkir, le premier, n'évoque pas la pluie, n'évoque pas la pluie. Tandis que Biyom Tov Arishon Shel Pesach, lorsque va arriver Pesach, pour le premier jour de Yom Tov de Pesach, Arishon Mazkir, Acharon et non Mazkir, le premier va encore évoquer la pluie, tandis que le dernier ne va pas évoquer la pluie. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? C'est très simple. Il s'intéresse, c'est exactement le minag qu'on a concrètement aujourd'hui. Concrètement, c'est simple. On mentionne la pluie à Shmini Atzeret. Quand va-t-on prier pour la pluie? Va-t-on faire le Tikkun HaGeshem? On va attendre justement le Moussaf. Donc celui qui montait Shacharit, celui qui est officier la fille de la de Shacharit, il a dit Mourid Atal. Et lorsqu'arrive Moussaf, le Chalir Tibur, il va dire Mashi Baruch Mandageshem. Ça, c'est pour Sukkot. Tu attends la dernière limite et tu commences à réclamer la pluie. À réclamer ou à évoquer la grandeur de la pluie. Maintenant, pour Pessah, on fait le contraire. C'est le même principe, vous allez me dire. Mais le premier qui va faire la tfila, il va continuer à dire Mashi Baruch. Et après, alors nous, on a l'usage, on va faire le Tikkun Natal, en l'occurrence à Pessah. Et après, depuis Moussaf, on va arrêter de mentionner la pluie. C'est ce que la Mishnah nous a dit exactement. On a les deux. On fait le changement en fait entre la Tfilat Shacharit et de Moussaf. On commence à demander la pluie à Moussaf de Shmini Atzeret et on cesse de demander la pluie à Moussaf de Pessah. Comme je vous avais dit dans la Mishnah précédente, dans la Mishnah, on ne s'intéresse pas à la question est-ce qu'on demande la rosée. La rosée, elle tombe toute l'année, en été comme en hiver. On l'évoque. Où on n'est pas obligé de l'évoquer. Il n'y a pas de tikkun natal en théorie de redemander la rosée. On ne demande pas la rosée, plutôt on demande
On arrête de demander concrètement qu'il nous fasse tomber la pluie, parce qu'en été, il ne faut surtout pas que la pluie tombe, ça fait tourner les récoltes. D'accord? Donc du coup, c'est pour ça que la Mishnah s'intéresse juste à nous dire qui va demander la pluie ou qui va cesser de demander la pluie. Donc, comme on a dit, Shmin Atzeret, c'est celui qui va monter à Moussaf. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à celui qui monte à faire la tefila à Moussaf? En théorie, on pouvait depuis le moment de Shacharit réclamer, évoquer la pluie. Le problème, c'est que alors Hamim, ils ont voulu fixer une borne où tout le monde démarre en même temps. Si ça va être depuis Arvit, il y a des gens, pas tout le monde vient à la Beth Knesset à Arvit, comme ça c'est mentionné dans le Tosfot Yom Tov. Il y en a qui ne viennent pas. C'est-à-dire Shacharit. Après, les gens vont commencer à faire Shacharit, il y en a qui vont commencer à faire depuis le soir. On a préféré, quand on fait une takana, quand on instaure un décret pour que tout le monde une marche à suivre, il faut quelque chose de simple et que tout le monde va avec. Si ça devient trop compliqué, les gens ne vont plus suivre. Donc du coup, tu prends la dernière borne, tu leur dis, allez, dernière borne, c'est Moussaf. D'accord? C'est pour ça que c'est que entre Arvit, Shacharit et Moussaf. Donc dernière borne de la tefila du matin, c'est Moussaf, comme ça, c'est quelque chose de net. Et ils vont, donc, tout le monde va commencer à demander la pluie, quand ça va être une Netzaret. Et idem aussi, pour s'interrompre d'évoquer la pluie, on arrêtera de dire à Moshe Baruch, de nouveau, sur le même principe, à Moussaf aussi, du premier jour de Pessah. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, la Mishnah continue en me disant, Ademataï Shoalin et Agshamim, depuis quand va-t-on demander la pluie? Alors là, c'est une question qui est un peu, qui touche à la phrase précédente dans la Mishnah. C'est-à-dire, la maintenant, cette fois-ci, jusqu'à maintenant, on refait le point. Dans la Mishnah Aleph, on s'intéressait depuis quand commençons à évoquer le Shvar, la gloire d'Hachem de faire tomber la pluie. Mishnah Bet, on a commencé à s'intéresser à partir de quand va-t-on commencer à demander la pluie concrètement? Ça, c'est pour le début. Après, on a une précision à Biouda qui nous dit Shmin Atzeret. Maintenant, on s'intéresse à savoir jusqu'à quand va-t-on évoquer la pluie en Nissan, lorsqu'on va s'arrêter de demander la pluie, en fait. Et donc, on a dit depuis le premier jour de Yom Tov, selon le principe qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente, on ne réclame, selon Rabbi Yehoshua, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est retenue, on n'évoque pas une grandeur si ce n'est pas le moment de demander. Et inversement, tu ne vas pas cesser d'évoquer la grandeur d'Hachem si après, ce n'est pas pour lui demander, mais pour lui demander malgré toute la chose. C'est-à-dire, selon le principe. En deux mots, Mashiv Baruach et Barech et Teltalomatar Livracha, ça doit être, ça marche ensemble. Sauf s'il y a quelques petits problèmes techniques, comme ce qu'on verra ensuite, mais ça doit marcher ensemble. Ça n'existe pas que tu vas évoquer la grandeur d'Hachem qui fait tomber la pluie sans ensuite lui demander la pluie. Après, on expliquera notre minhag pourquoi c'est différent. Mais en théorie, ça va de soi. Et inversement aussi, le contraire. Arrive Pessah, si tu cesses d'évoquer Mashiv Baruach comme Hachem, forcément, tu vas arrêter de demander la pluie. Donc, du coup, si la Mishnah précédemment m'a dit, tu sais, depuis le premier jour de Pessah, tu montes Shacharit, tu dis Mashiv Baruach Hu Moed Hashem, Moussaf arrive, tu commences Mori Natal, ça signifie que dès que tu me dis Mori Natal, c'est fini, tu ne vas plus jamais réclamer la pluie, tu ne vas plus demander la pluie jusqu'à l'année prochaine. Parce que si tu vas demander la pluie, alors pourquoi tu ne reconnais pas la grandeur à Hachem de le faire? Donc, en fait, entre les lignes, il y avait dans la vie de Rabbi Yehuda précédemment cité, lorsqu'il m'a dit, à Yom Tov de Pessah, tu cesses d'évoquer la pluie, ça signifie qu'à Pessah, tu ne vas plus prier pour la pluie. Sur ça, on a une Mishnah maintenant qui va avoir, la Mishnah va continuer en nous rapportant deux avis différents, qui vont nous dire que pendant Pessah, tu continues à demander la pluie, et peut-être même après. Regardez, à des matins, Shonen Tech Shemim, jusqu'à quand va-t-on demander la pluie, prier Hachem pour qu'il va tomber la pluie? Rabbi Yehuda Omer, Hachi Avor à Pessah. Rabbi Yehuda me dit jusqu'à qu'il va passer Pessah. Pendant tout Pessah, tu continues à dire Mashiv Baruach, et tu continues à dire aussi Barech Aleinu avec Veten Talomatar Livracha. Pendant tout Pessah. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir me dit encore plus, Hachetse Nissan, jusqu'à que Nissan va sortir. Parce que tout Nissan, c'est encore une saison où on a besoin encore de la pluie qui va tomber pour remplir encore, finir de remplir les derniers épis. Et quand il nous rapporte un passage, comme nous dit le verset, va Yored Lachem Geshem, More ou Malkosh Barishon. Hachem, c'est un passage qui se rapporte dans Yoel, il y avait là-bas une très grande famine, il n'y avait pas de pluie qui était tombée pendant 7 ans. Et à la 7e année, Hachem, elle fait un miracle, qu'en fait, depuis le mois de Nissan, elle leur a dit, allez, semez maintenant les dernières graines, et depuis le premier jour de Nissan, ils sont bien semés, alors que c'était impossible que ça allait pousser tellement rapidement, et il y a eu le grand miracle, ça poussait très rapidement, Bémet, et en fait, le Passouk leur a promis en leur disant, va yored lachem geshem, il vous fera tomber la pluie, moré ou malkosh barishon, c'est deux sortes de pluie, le moré ou malkosh, deux sortes de pluie, une pluie qui est forte, une pluie qui est plus douce,
Chacune a il y a différentes pluies, que chacune a sa fonction. La pluie qui est forte, c'est en général pour atteindre les racines qui sont sous terre. La pluie qui est plus douce, c'est pour remplir les fruits. Malkosh, mais malé cache. Ça remplit les caches, les épis, qu'elle les remplit bien. Alors que moré, c'est une chaîne plus yoré, ça tombe fortement. En tout cas, en deux mots, c'est deux sortes de pluie, quoi. Une qui tombe fort, une sorte de crachat en fait. Et donc, le passage nous dit, bah, Richard, dans le premier mois, c'est Nissan. Donc tu regardes que tout le monde, Nissan, c'est encore un mois où la pluie n'est pas encore tombée. Nous savons très bien, mais il pense, tu pries pour la pluie et tu glorifies Hachem sur la pluie durant tout le mois de Nissan, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, c'est là.